Les trois premiers ont été tous les trois dangereux. Avec Doulin, Chougrani ou Sanaya. Allez, c'est Michel Ramon. Michel Ramon à deux. Le centre de Michel Ramon, c'est repris. Peut-être Florian David à frapper le but. Et le but de Florian David. 19 minutes de jeu à Paul-Lyon. Et Florian David qui vient ouvrir le score pour le Rodez Aveyron Football sur ce corner jouant dedans. Les Ruthénois auraient pu le payer échec et ça fait un corner. Un corner, alors on sait qu'il y a beaucoup de buts sur coup de pied arrêté. Le centre, second poteau, à la lutte Bayot, non c'est Sanaya, ce sera un pénalty. Ce sera un pénalty pour l'US Dunkerque sur ce corner, voilà, bêtement concédé. C'est un pénalty pour l'US Dunkerque. Monsieur Yann Gazian y était formidablement bien placé. Voilà. Allez, Martin François. Pour ce pénalty, Martin François, et c'est l'égalisation du numéro 8 d'un Carquois. Martin François qui ne laisse pas passer l'occasion pour remettre ses couleurs dans le sens de la marche. Et l'égalisation de Carquois après 29 minutes de jeu. Fait tourner là côté ruthénois en attendant la bonne situation. Ce sera peut-être là sur le côté gauche avec Michel Ramon et Joris Chougrani. Michel Ramon qui a le ballon, qui a pu trouver Joris Chougrani à l'entrée de la surface de réparation. Joris Chougrani, le centre de Joris Chougrani, c'est à la lutte, c'est Hugo Bonnet qui est à la lutte. Et ce sera un pénalty pour le Rodez Aveyron Football. Pénalty pour le Rodez Aveyron Football. Pénalty. On le sentait que c'était pas loin. On le sentait que c'était pas loin, que Monsieur Gazagne regardait sur cette charge sur Hugo Bonnet. Et c'est le but de Florian David, le deuxième but du Rodez Aveyron Football sur ce pénalty. Il a été sans pitié pour Axel Maraval, le contre-pied parfait de Florian David, Loïc. Corner, tiré, premier poteau pour Sanaya. Et le but de David Doulin qui vient marquer le troisième but pour le Rodez Aveyron Football sur ce corner. Il était oublié, il était seul, le numéro 22 ruthénois. Tous les matchs sont très compliqués. Alors que Monsieur Yann Gazagne renvoie les 22 acteurs au vestiaire. Allez, Joris Chougrani là qui peut dégager le camp ruthénois. Elle passe. Là, Florian David, le ballon est passé. Allez, le 2 contre 2 là, avec Florian David face à Touré. David face à Touré, il est passé. La frappe. Wow. Et le but de Florian David pour le hat-trick du numéro 23 ruthénois qui vient donner quasiment la victoire à ses couleurs, Loïc. Mais le ballon a été récupéré par Aled Ayari. Ayari pour Mori. Contré de la main. Un carton donné à Martin, à Nicolas Brunel. Ce sera le rouge. Ah ouais. C'est le second carton. Carton alors, rouge. Il semble dire qu'il s'est trompé. C'est la fin du match. Sifflé par M. Gazagne sur la victoire de Rodez.